Pater noster qui es in caelis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra panem nostrum quotidianum, da nobis hodie et dimine nobis debita nostra sicut et nos dimittus debitoribus nostris et ne nos inducas In tentation, sed libera nos amalo. Amen. Paster norter in sanctifiti. Amen. Il y a de ça 500 ans, c'est exactement ce que vous auriez vécu. Un culte catholique romain de l'époque, un prêtre devant qui est doit à l'Assemblée, qui prêche et qui lit la Bible dans une langue que le peuple ne connaît pas. C'est ce, ce qui était en pratique il y a 500 ans. Donc moi, je vous ai lu le Notre Père en latin. Pardonnez ma prononciation, ça fait longtemps que je pas pratiqué mon latin. <laughs> Mais c'est la réalité des choses. Il y a 500 ans, un homme, un moine s'est levé, Martin Luther. Et il est allé littéralement sur la cathédrale de Wittenberg, il a cloué 96 thèses. 96 remises en question des pratiques et des croyances de l'Église catholique romaine de l'époque. Martin Luther ne se voulait pas être un révolutionnaire, il ne voulait même pas être un réformateur. Il voulait ramener à la raison le pape et le clergé catholique romain. Il ne croyait pas qu'il allait enflammer l'Europe et éventuellement enflammer le monde pour plus tard ce que nous, on allait appeler la réforme. La réforme, c'est quoi exactement? C'est cet homme qui s'est levé... Et plusieurs autres qui l'ont suivi et qui ont dit, c'est assez, c'est assez l'abus, c'est assez le contrôle, c'est assez toute cette fantaisie, toute cette fausse théologie, retournons à l'essentiel, retournons à la Bible. Et il y a plusieurs réformateurs, Martin Luther, c'est lui qui a instigé la réforme, mais plusieurs l'ont suivi dont Jean Calvin qui est un des plus grands théologiens réformateurs de son époque, qui encore aujourd'hui sa théologie elle est incroyable. Encore aujourd'hui on lit ses livres pour certains. Mais il y a eu un impact, un impact incroyable qui jusqu'à aujourd'hui influence comment nous pensons, comment nous vivons notre foi. De cette réforme, il y a cinq piliers qui sont sortis de cette réforme. Martin Luther a pas dit voici le premier pilier, voici le deuxième. C'est il a énoncé des choses et à la force que la réforme avançait, dans les dix premières années de la réforme, il y a cinq principes qui ont émergé, cinq piliers de la foi qui se sont, à l'époque, ça s'opposait à une, une communauté, à un monde qui vivait par les mérites, qui vivait par les œuvres et qui vivait dans la complaisance. Mais ça, c'est à l'époque. Est-ce qu'on peut faire le lien qu'aujourd'hui, on vit encore dans une société du mérite, une société des œuvres et une société de la complaisance? Lorsqu'on quelqu lorsqu rencontre quelqu'un, la première question souvent qu'on va lui poser, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? On veut voir si tu mérites notre attention. Si tu dis, je suis un ramasseur de vidange, tu as beaucoup moins mon attention que si tu dis, je suis le PDG de Microsoft. Ça, c'est les œuvres, ça, c'est les mérites. Et on vit dans la complaisance. Et c'est exactement ce que l'Église catholique romaine vivait à l'époque. Soyez sûrs, je ne vais pas faire une prédication complète où on va attaquer l'Église catholique romaine. Ce n'est pas le but. L'Église catholique romaine est là. Elle a des bonnes choses, elle a des mauvaises choses. Mais aujourd'hui, moi, je veux vous parler des cinq piliers de la foi protestante qui ont émergé et qui sont les « sola ».« Sola », ça veut dire « seul ». Là, vous allez me dire, oui, mais ça ne marche pas parce qu'il y en a cinq. Si tu me dis « seulement quelque chose », ça implique qu'il n'y a pas les autres. Si tu dis j'aime seulement le concombre, tu ne peux pas dire après j'aime seulement la tomate parce ben, ça se contredit hein. Mais il faut il faut y aller avec cette pensée de dire lorsqu'on dit seul quelque chose dans ce contexte-là, c'est seul ceci et non pas cela. Et là ça a l'air flou, on va rentrer dedans et on va euh, pouvoir euh, mieux comprendre. Donc une chose qui est exceptionnelle de la réforme, c'est que Autant des hommes comme Martin Luther euh, ou encore euh, Jean Calvin et même Spurgeon, plusieurs siècles plus tard, ont dit qu'ils ont compris l'Évangile, ils ont assimilé l'Évangile, ils ont été transformés par une épître dans la Bible principalement. L'épître aux Romains. C'est la plus grande épître euh, du Nouveau Testament. Et c'est ce qui a... Commencer la piste de réflexion de Martin Luther, c'est ce qui a amené Jean Calvin à se pencher sur une, une théologie protestante. Et Spurgeon disait, « Lorsque j'ai lu Romain, j'ai compris tout l'évangile. » Et ce matin, je veux qu'on aille ensemble, justement, dans Romain, Romains chapitre 1. Donc, si vous voulez ouvrir Romain chapitre 1, Romain, c'est après les quatre évangiles, on a euh, Matthieu, Marc, Luc, Jean... Acte des apôtres et Romains est là. Si vous êtes rendu dans l'Apocalypse, vous êtes trop loin, revenez. Revenez. C'est la première épître, chapitre 1. Donc, on va lire ça ensemble. Les versets vont être à l'écran. Et, et aussi, je veux juste faire une petite parenthèse. Si vous n'avez pas de Bible et que vous en voulez une, on vous invite à venir à l'espace connexion à la fin. Venez chercher une Bible, ça va nous faire plaisir de vous en donner une. Moi, je suis un amoureux de la Bible. Fait que vous, à chaque fois que je prêche, vous m'entendez le dire, puis je vais continuer à le dire. Moi, je suis un amoureux de la Bible. Je veux que vous ayez votre propre Bible. Donc, si vous n'en avez pas une, vous, la, vous en désirez une, venez à l'espace connexion. Ça, 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 va faire, ça va être plus que, ça va plus que nous faire plaisir. Ça va être une bénédiction de vous donner une Bible. Donc, Romains 1, versets 1 et 2. Paul. Esclaves ou serviteurs de Jésus Christ, apôtres par appel, mis à part pour la bonne nouvelle de Dieu. Cette, cette bonne nouvelle, Dieu l'avait promise par ses prophètes dans les Écritures saintes. Donc mon premier point ce matin, c'est sola scriptura, les Écritures seules. Et je vous ai dit, c'est pas, on le prend pas en monobloc. C'est les Écritures seules et non la tradition. Donc, cela scriptura s'oppose à quelque chose. Mais avant de rentrer là-dedans, on peut voir directement que Paul va tout de suite nous emmener sur une piste. Il va dire été, Je suis esclave de Jésus-Christ ou serviteur de Jésus-Christ, mis à part, mis à part pour quelque chose, pour la bonne nouvelle. Et nous sommes mis à part pour la bonne nouvelle. Il n'y a pas d'autre raison pour laquelle Dieu nous désire. Nous sommes mis à part pour partager la bonne nouvelle, pour déclarer la bonne nouvelle. Mais il y a une chose d'intéressant. Paul dit qu'elle a été promise par les prophètes dans quoi Dans les Écritures saintes. Veut dire pour eux et pour Paul de l'époque, c'était l'Ancien Testament. Et tout de suite, là, Paul vient établir le cadre. Cela scriptura, ça, ça veut dire finalement juste une chose. Ça veut dire que la Bible devient notre seule norme pour notre pratique et notre foi. Rien d'autre. Pas des traditions. Pas ce qu'un homme ou un autre va dire, les Écritures seules comme normes de notre foi et de notre vie, notre relation avec Dieu. Et à, ce matin, mon but, c'est pas de défendre euh, l'authenticité de la Bible. pas de défendre, Je ne veux pas défendre la Bible, ce pas mon but. Je veux pas faire de l'apologétique tu sais, avec vous ce matin. De toute façon, Charles Spurgeon a dit la Bible, c'est comme un lion. Essayer de la défendre, c'est comme essayer de défendre un lion. Fais juste ouvrir la cage le lion va se défendre tout seul. Et moi, je te dis ce matin, si tu as des doutes, si tu. Fais juste ouvrir la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu, elle est tellement puissante, elle va se défendre tout seule. Mais il faut lire la Bible. La plupart des gens qui attaquent la crédibilité de la Bible, la plupart du temps, c'est qu'ils n'ont pas lu la Bible. Donc, moi, je vous invite, si c'est votre cas, ce matin, rouvrez la Bible, lisez la Bible et elle va se défendre seule. Mais euh, ce qui est important, c'est de savoir qu'il faut toujours retourner. À... Pourquoi je dis cela tout de suite, c'est le premier pilier de la foi Pourquoi c'est le premier pilier de la foi chrétienne Parce qu'il faut toujours arriver et se dire. Peu importe ce qu'on va rajouter ou ce qu'on va soustraire, parce que c'est la nature humaine de le faire, il faut toujours retourner et dire hé, hey, attends une minute, qu'est-ce que la Bible dit Ça, c'est le plus important. Qu'est-ce que la Bible dit En fait, le sola scriptura, les écritures seules, viennent s'opposer à l'époque, à l'époque de Paul même, à l'époque de Martin Luther, et encore aujourd'hui, en 2017, à notre époque, vient s'opposer à ce qu'on appelle le relativisme et le syncrétisme et de l'autre côté le religieux et le légaliste. Donc relativisme syncrétisme c'est quoi le relativiste c'est un peu cette pensée de dire tout le monde croit au même dieu, les bouddhistes, les musulmans, les chrétiens, c'est tout le même dieu, c'est toute la même patente. Ou encore de dire tout le monde va aller au paradis ou encore de dire bon, ça c'est ta croyance, si ça te fait du bien, c'est bien pour toi. Ça c'est ce qu'on appelle le relativisme et Paul le vivait à son époque. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est quoi? C'est d'aller chercher à gauche et à droite, de dire « Ah, oh, ça, ça me plaît, ça, ça me plaît, ça, ça me plaît, et je crée ma nouvelle religion. » On ne dit pas ça comme ça. Mais si vous êtes un chrétien, vous vous dites « Je suis un chrétien, mais euh, j'aime ça aller voir une voyante qui va me dire mon avenir dans les lignes de la main. Euh, je suis un adepte du feng shui. Et euh, ça m'arrive des fois, quand je rentre dans la maison, d'avoir un petit bouddha ou un chat avec la patte qui fait ça. » Puis des fois j'allume de l'ensemble à ce petit bout de là, c'est du syncrétisme. Vous allez chercher, en fait, à gauche et à droite des, des trucs qui viennent de d'autres religions pour construire, au fait, votre propre religion et votre propre Dieu dans cette, dans cette circonstance-là. Même pire que ça, le syncrétisme fait de vous des nouveaux dieux, parce que vous, vous établissez je suis la norme de ce que je crois et de ce que je pratique. Alors que la Bible, pourtant. Déclare d'elle-même, je suis la norme de ce que tu dois croire et pratiquer. Mais de l'autre côté, ça, le seul Scriptureur vient aussi attaquer le religieux, vient aussi attaquer le légalisme. Parce que si tu es un chrétien, puis tu dis à ah, un nouveau chrétien, mettons, puis je sais que pas ici, ça ne se fait pas, là, mais d'autres églises, d'autres chrétiens, où est-ce que vous arrivez, puis vous dites, moi, je suis un chrétien de longue date, et je te dis, tu dois prier cinq fois par jour? à genoux, tu dois lire ta bible deux fois par année et surtout 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 tu dois tout couper dans ta vie, pas de télé, pas de radio, coupe-toi du monde. Mais ça c'est du légalisme. C'est du religieux. Et lorsque ma question, ça va être qu'est-ce que la bible dit La bible dit jamais que tu dois prier d'une certaine façon. La Bible ne dit pas, euh, lorsque, les, lorsque les, les, les disciples vont dire à Jésus, Monte-nous à prier, il va leur dire le Notre Père. Il ne va pas leur donner toute une description, tu dois être à genoux, tu dois dire le Notre Père quatre fois par jour, tu dois faire ci ou tu dois faire ça. En fait, la religion, Jésus n'est pas un Dieu qui vient lier, au contraire, c'est un Dieu qui vient donner la liberté. Et le Sola Scriptura, c'est contre notre propre nature pécheresse, en fait, de dire, non, non, retourne aux Écritures. Qu'est-ce que la Bible dit? Toi, tu dis telle chose, qu'est-ce que la Bible dit? Et Jésus a utilisé cette, cette rhétorique-là, Paul aussi. Toi, tu dis ça, qu'est-ce que la Bible dit? Toi, tu dis tu ne commettras pas d'adultère. Moi, je dis que regarder une femme avec un désir, c'est commettre l'adultère dans son cœur. Donc, Jésus ramenait sans cesse aux Écritures. Qu'est-ce que les Écritures disent? Et au final, on peut regarder un peu la Bible comme un télescope. Parce que, moi, moi j'ai déjà vu ça souvent. On arrive chez quelqu'un super belle bibliothèque c'est comme wow, le bureau est génial il y a un beau télescope dans le coin du bureau génial mais le télescope a accumulé la poussière Puis là finalement tu te dis hey t'as un dommage un beau télescope ah ouais mais ça sert à rien ces affaires là c'est juste là pour être beau mais la Bible c'est exactement comme ça le télescope s'il reste là dans le coin ça reste quoi ça reste un, un, une breloque un bibelot. Mais si tu vas coller ton œil dessus, par exemple, tu le diriges vers les étoiles, tu vas voir la lune comme jamais tu l'as vue. Tu vas voir les étoiles comme jamais tu l'as vue. Tu vas voir des choses que tu ne peux pas voir avec ton œil nu. La Bible, c'est la même chose. Si tu la laisses sur ton bureau, ça devient juste une belle relique, ça devient juste une belle breloque, ça devient juste un beau bibelot. Mais moi, je te défie, si tu rouvres ta Bible, tu poses ton œil dessus, tu vas voir et Dieu va te montrer des choses que tu ne peux pas voir à l'œil nu. Va te montrer des choses que tu n'aurais pas vues avant. Et ça, c'est mon défi pour vous ce matin, sola scriptura. Mais Paul continue. Où le deuxième arrive, le deuxième pilier. C'est le verset 3 et 4 qui va apparaître à l'écran. Et là, il parlait de la bonne nouvelle, il parle de sola scriptura. Et là, il va dire Elle concerne qui? Elle concerne son fils issu de la descendance de David selon la chair. « Institué Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, du fait de sa résurrection d'entre les morts, qui? Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et Le deuxième pilier, le deuxième point de ce matin, c'est « Solus Christus ». Là, vous allez me dire, peut-être pour les plus observateurs, vous allez me dire, « T'as pas dit que c'était les cinq solas? » Oui, c'est vrai, mais c'est parce qu'en grec, ça se conjugue comme ça, c'est « Solus Christus ». Donc, si jamais vous voyez là, en ligne Sola Christus, là, dites vous dites-vous, c'est une erreur de syntaxe grecque. Mais bon, c'est juste ça. <laughs> et juste sur ce verset-là, on pourrait faire une prédication complète. C'est tellement riche. Paul, en, en, en deux versets, vient déclarer Jésus-Christ dans toute sa grandeur. Il vient nous donner, en fait, l'entièreté de la bonne nouvelle. Ben, Paul nous dit une chose, l'entièreté de la bonne nouvelle concerne une seule et unique personne, Jésus-Christ. Ça ne concerne pas toi, ça ne concerne pas euh, le religieux, ça, non, ça concerne la bonne nouvelle de Jésus. Là. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est Jésus. Ancien Testament, Nouveau Testament. Jésus est au centre. Mais ce que je trouve fascinant de ça, c'est que Paul va avancer un argument vraiment incroyable. Il va avancer les deux natures de Christ. Il va le dire Fils de David selon la chair. Fils de David selon la chair. Il vient de déclarer Jésus, il est 100% humain, Jésus est 100% homme. Mais il va aussi, il va aussi dire « Fils de Dieu avec puissance, loin de l'esprit de sainteté qui l'a ressuscité et il termine Jésus-Christ Seigneur, rien de moins. » Rien de moins. Pas juste Jésus-Christ homme, non. C'est pas juste le descendant de David, non. C'est aussi 100 homme, 100 Dieu. C'est Jésus-Christ Seigneur. J'aurais pensé entendre un amen à ça, mais c'est correct. Je vais le rayer une minute. Et ce qui, était, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on peut, on peut tenter. On peut tenter de placer le salut de notre âme sur à peu près n'importe quoi. La Bible nous dit, le salut de notre âme passe obligatoirement. Il n'y a même pas une option, il n'y a pas un astérisque en petit caractère au bas de la page. C'est absolument et obligatoirement par le Christ et par lui seul que le salut de notre âme passe. En d'autres mots, Jésus-Christ, c'est l'unique intercesseur. Entre Dieu et les hommes. Et là, vous allez me dire, moi. Remettez-vous à l'époque, et même encore aujourd'hui, Jésus-Christ comme seul intercesseur, ce n'est pas une institution, c'est pas l'Église qui, qui intercède, c'est pas l'Église qui fait le lien entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas un prêtre et c'est encore moins un pasteur. Parce qu'on est des hommes 100 pécheurs, 100% rachetés par le sang de Jésus, exactement comme n'importe qui d'autre. Moi, là, je n'ai pas plus de puissance dans ma prière que n'importe quelle de vous ici. Ce n'est pas non plus les saints tels que l'Église catholique romaine en parle. Les, les saints, on, on, on a souvent dans notre conception, le Marie, qui est. C'est comme ça un peu étrange. Non. Ce n'est pas les saints non plus qui sont les intercesseurs entre Dieu et l'humanité. Et ce n'est pas non plus les reliques. On a souvent cette image un peu médiévale des reliques, mais est-ce qu'on n'a pas nous aussi des reliques ici en 2017 dans les églises protestantes évangéliques? Des reliques comme la musique doit être faite de telle façon. Si ce n'est pas tel type de chant, il n'y a pas l'onction. Si c'est pas le culte n'est pas ordonné de telle façon, ce n'est pas un culte. Alors que je retournais puis je dirais, ben, retourner à mon point 1, ça, la scripture, qu'est-ce que la Bible dit La Bible dit qu que les premiers chrétiens se rassemblaient n'importe où, dans les maisons et à une certaine époque, dans les catacombes, à côté des ossements des gens morts. Donc, mais on a, des fois, on a ces, ces, ces reliques-là. Ah, c'est de telle façon qu'on doit faire la religion, sinon, il sinon, n'y ben, aura pas la connexion entre Dieu et les hommes. Dieu et les hommes alors que ce n'est pas le cas. Et 1 Timothée 2 5 nous dit ça paraîtra pas à l'écran mais je vous le lis. Paul va nous dire en effet parce que si c'était pas assez clair dans romains, il dit en effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Rien d'autre. Paul est tellement clair, il dit rien d'autre, il dit pas et peut-être autre chose, non, il dit un seul Dieu, un seul médiateur, Jésus-Christ. Et je ne crois pas que j'ai besoin, on en parle souvent, c'est un même, un, on le dit souvent ici à l'Église de Portail, tout a toujours rapport avec Jésus. Jésus. Donc, la Bible entière a rapport avec Jésus. C'est pour ça qu'on dit Christ seul et pas tout le reste. Pas tout le reste. Mais, juste pour mettre ça encore plus vivide à votre esprit, j'inviterai Pasteur Max et Marise de venir juste me rejoindre en avant. Venez-vous-en, venez vous, -en, venez -vous -en. Donc, Marise, tu peux venir ici, viens à côté de moi. Marise va représenter Dieu. Vous ne saviez pas que Dieu avait l'air de ça? Hein? Dieu. Et Max va représenter l'humanité pécheresse. L'humanité telle qu'on la connaît. Et si je prends ta main, Max, et que je prends la main ici de Marise, et si l'humain voulait juste toucher Dieu, Dieu est tellement saint, il est tellement bon qu'il consumerait le péché. Pouf! Dieu veut pas ça. Si Dieu voulait ça, il le ferait, mais il détruirait l'humanité en conséquence. Alors c'est pourquoi il a donné Jésus-Christ, qui va être moi. Bon, vous ne saviez pas que Jésus avait une moustache, mais bon. Mais pourquoi j'ai parlé des deux natures, c'est super important. Parce que Jésus est cet, est cet homme qui peut dire, je prends la main du péché sans problème. Je ne suis pas souillé par le péché. Je ne suis pas répulsé par le péché. Je prends la main du péché. Et je peux venir prendre la main de Dieu et ainsi créer le pont entre l'humanité et l'homme pécheur, sans que l'homme pécheur soit brûlé, détruit. Non, il est racheté par le sang de celui qui crée un pont entre Dieu et les hommes. Alors, si on peut donner une bonne acclamation à Dieu et au péché, <laughs> c'est vraiment cette notion-là, cette notion que Jésus est l'intercesseur, celui qui se tient. Entre le péché d'un côté, qui tient entre Dieu et qui fait le lien, et qu'on peut être certain qu'il est l'intercesseur parfait. Parfait. Parce qu'il est mort, en fait, pour pouvoir jouer ce rôle-là. Le texte continue. Paul va continuer au verset 5-7, qui va apparaître à l'écran. Il va nous dire C'est par lui, donc par Jésus, que nous avons reçu la grâce et l'apostolat. L'apostolat, c'est de, de servir, le, le fait de pouvoir être, des serveurs, des, des, être dans le service pour Dieu. Afin de susciter pour son nom l'obéissance de la foi dans toutes les nations, nations dont vous aussi vous faites partie, vous qui avez reçu l'appel de Jésus-Christ. Je pense ça continue. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu et saints par appel, pas saints parce qu'on le veut, saints par appel, grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et ici, le troisième point, le troisième pilier de la foi, c'est quelque chose qu'on entend souvent à l'église de portail, puis on ne peut pas arrêter de le marteler parce que c'est un point tellement important. Sola gratia. La grâce seule, pas les œuvres. La grâce seule, pas les œuvres, pas le mérite, pas la complaisance. La grâce, dans sa définition la plus simple, on définit la grâce de façon très simple c'est quoi C'est une faveur reçue que nous ne méritons pas. C'est simple. On peut tous juste laisser l'esprit nous parler une fraction de seconde et, et dire waouh, je méritais tellement pas. Peu importe où j'étais, peu importe où je suis, peu importe ce que j'ai fait ou je fais présentement, je ne mérite pas que le Fils du Dieu vivant, parfait, aille jusqu'au calvaire, subir la plus grande des humiliations et la plus grande des souffrances pour moi. Non, je ne méritais pas ça. En fait, c'est peut-être brutal, c'est peut-être dur, mais en fait, qu qu'est-ce qu que, qu que je méritais? C'est l'enfer, c'est la mort. Mais Dieu, par grâce, par amour, a décidé de donner son fils. Et on ne le méritait pas. C'est le point central. C'est un point très, très, très caractéristique de la réforme. Parce qu'à l'époque, les œuvres, les œuvres, les œuvres, il fallait faire des œuvres. Et encore plus que de faire des œuvres, il y avait le concept que tu pouvais payer pour acheter ton salut. Tu pouvais arriver et dire, bon, tu n'es pas, pas, pas mauvais au point d'aller en enfer, mais tu n'es pas non plus bon, assez bon, assez sain pour aller directement au paradis. Donc, on va inventer un nouveau concept, le purgatoire. Là, moi, je redis encore une fois, point numéro un, pourquoi il est en premier Parce que c'est le point de référence. Qu'est-ce que la Bible dit sur le purgatoire Moi, je n'ai jamais lu le purgatoire. Ce n'est pas une notion qui est dans la Bible. C'est une notion inventée de l'homme qui n'ont pas appliqué le la scripture. Et à l'époque, il y avait cette notion de dire, si tu donnes tant d'argent, tu peux réduire un temps au purgatoire. C'est ce qu'on appelle les œuvres. C'est de minimiser la grâce de Dieu. C'est de minimiser la grâce de Dieu. Et Martin Luther s'est révolté contre ce concept-là parce qu'il voyait une Église qui abusait des paysans, qui abusait des gens qui étaient pauvres. Alors qu'il disait, mais, mais voyons, lorsque je lis la Bible, je vois que la grâce de Dieu, elle est suffisante, elle est parfaite. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je paye plus? Si je reçois l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est suffisant. Si je reconnais, si je reçois la grâce, c'est suffisant. C'est pourquoi ça s'est élevé comme étant un de nos piliers de la foi. Sola gracia, la grâce seule. Et. Il y a des gens qui peuvent dire, oui, mais si on se base trop sur la grâce, ça veut dire qu'on va faire n'importe quoi. Ça veut dire que moi, je peux faire n'importe quel péché, c'est pas grave. Je m'en vais devant Dieu, puis je dis, oh Dieu, pardonne-moi, et je reçois la grâce et c'est pardonné. That's it, on passe au prochain. D'un certain sens, ce n'est pas faux. Mais de l'autre côté, si tu reçois vraiment la grâce de Dieu, que tu reconnais ton état réel de pécheur et que tu reconnais la valeur du sacrifice de Jésus-Christ, tu ne le feras pas. Tu ne le feras pas parce que tu ne seras pas capable de le faire, tu ne voudras pas le faire. Mais ce qui est merveilleux avec la grâce, c'est qu'elle bannit la crainte et la peur. Là, vous allez me dire, hmm? ça bannit la crainte et la peur de ne pas être à la hauteur de Dieu. Parce que, savez-vous quoi, ça c'est la mauvaise nouvelle. Il n'y a personne ici, moi non plus, personne peut être à la hauteur de Jésus-Christ. Personne. C'est une suprême mauvaise nouvelle. Parce qu'on peut essayer de faire ce qu'on veut, on peut donner autant d'argent qu'on veut dans la dîme, on peut prier autant de fois qu'on veut, on peut lire notre Bible autant qu'on veut. Et il n'y a rien de tout ça qui te rend assez bon pour être réconcilié avec Dieu, pour être, assez à, la, être à la hauteur de Dieu. Il y a seulement Jésus-Christ. C'est pour ça que le deuxième point est si important. C'est seulement Jésus-Christ. Et ça, c'est tellement merveilleux parce que ça bannit la crainte. Ça bannit la peur. Je n'ai pas besoin d'avoir peur ou de craindre de ne pas être à la hauteur parce que je sais que Jésus-Christ, lui, il a été à la hauteur. Et que maintenant, par Christ, la grâce, elle surabonde. Il n'y a pas juste un petit flacon au paradis de grâce et Dieu qui est là, je vais lui donner juste une demi-goutte. Je ne suis pas sûr de ce qu'il va faire avec. Non, la grâce de Dieu est répandue sur tout le monde avec abondance et surabondance. Finalement, la grâce, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour inconditionnel de Dieu. C'est comme une main qui est tendue vers l'humanité. Il n'y a pas de condition à l'amour de Dieu. Il ne va pas dire ⁇ je t'aime seulement si ⁇ Non. Il dit ⁇ je t'aime malgré tous tes défauts, malgré tout ce que tu peux vivre, malgré tout ce que tu traverses, malgré tout ce que tu es, je t'aime. Et je t'aime tellement que je vais te tendre la main. Et ce matin, c'est le point tout indiqué pour juste, juste, juste te dire cœur à cœur ce matin. Peu importe, sérieusement, peu importe tes erreurs que tu as, as faites avant, que tu fais maintenant, puis que tu vas faire dans le futur. Peu importe tes faiblesses, on a tous des faiblesses. Peu importe tes craintes, peu importe tes fautes, je veux te dire ce matin que Dieu t'offre sa grâce. Il veut, Dieu, c'est juste ça qui attend, te pardonner. Mais il y a une chose qui est fondamentale avec le pardon, c'est que Dieu ne peut pas accorder le pardon si tu ne le demandes pas. T'as beau dire, tu beau dire. Euh, ah, je vis avec ça sur moi, je vis avec ça. Présente-le devant Dieu. Fais juste le présenter devant Dieu. Et on a un Dieu d'amour et de miséricorde qui est tellement bon et lent à la colère qu'il pardonne. Il pardonne à celui qui se repent. Parce que ce matin, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas où tu es rendu dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu as fait cette semaine ou ce que tu prévois faire dans ta semaine. Mais il y a une chose que je te dis, c'est présente-toi devant ton Seigneur, demande-lui pardon. Et il est assez bon pour te pardonner. Et plus que ça, Dieu ne s'arrête pas au pardon. Dieu va encore un peu plus loin. Puis il dit, non seulement je vais te pardonner, mais je vais te restituer. Non seulement je vais te pardonner, mais je vais te relever. Non seulement je vais te pardonner, mais je vais faire de toi une nouvelle créature. Parce qu'on n'a on a pas une, 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 une cheap grace. On n'a pas une grâce sans valeur. Non, on a une grâce... D'une incroyable valeur, d'une incroyable puissance. Mais Paul, il continue, il n'arrête pas là. Donc, on est rendu à trois piliers de la foi. Cela sola Scriptura. Cela sola Christu, ben, Christus. Ouf, je suis en train de faire ma propre faute. Cela, Gratia. Paul, il, je, je vais sauter quelques versets. Je vais aller au verset 16 à 17. Pourquoi? Ben, les, les versets entrent, c'est plus un, une remise en, en contexte. Donc, on ne va pas le lire, on va tout de suite aller dans l'essentiel. Donc, versets euh, 16 et 17. Car je n'ai pas honte, Paul il va dire ça, je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. Elle est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, mais aussi du grec. Et là, dans cette nomenclature-là, ce n'est pas juste les juifs et les grecs qui sont sauvés, il veut dire l'entièreté de, de son audience. Car en elle... La justice de Dieu se révèle en vertu de la foi et pour la foi, ainsi qu'il est écrit, celui qui est juste en vertu de la foi vivra. Et trois versets plus, trois chapitres plus loin, si on peut, ah euh, oh non c'est pas là tout de suite, ok c'est bon. Donc euh, celui qui est juste en vertu de la foi vivra. Et là il y a une conditionnalité, là il y a une condition, la foi. Elle est nécessaire au salut. Tu peux pas recevoir la grâce sans la foi. Et c'est pour ça que je dis les cinq piliers sont indissociables. On en détruit un, on les détruit toutes. On en retire un, toutes s'effondrent. La foi, elle est conditionnelle au salut. Mais la, ce qui est important, c'est que Paul il est très précis. Il nous dit la foi en quoi Pas la foi en n'importe quoi, pas en la, la foi en une force mystique, pas la foi en. Non, non, il dit la foi en la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle qui est l'objet de notre foi. En fait, si la, la, la doctrine de la grâce a fait un grand impact dans la réforme, c'est celle-là, la justification par la foi. Je suis déclaré juste devant l'Éternel à cause de la foi que je place en Jésus-Christ. C'est celle qui a brisé le plus de tabous dans la réforme. C'est elle qui a eu le plus de réticence. C'est sur elle que les théologiens se sont le plus battus. C'est cette doctrine, puis pourtant aujourd'hui on dit ben sérieux, là? mais c'est parce que ça, ça vient littéralement révolutionner la façon que les gens pensent Dieu. Ça vient briser de dire. Je veux être justifié par. Ok, c'est bon, j'ai reçu la grâce, je suis pardonné. Amen. Maintenant, travail. Et ça, c'est une pensée commune. Une... Puis le... aujourd'hui, à l'époque, c'est exactement pourquoi il va y avoir des juifs, des... ce que Paul va dire, des judaïsans. Ceux qui veulent dire Ok, ta bonne nouvelle est bonne, là. Jésus, c'est bon, mais retournons à nos pratiques juives. Retournons à la circoncision, retournons à la loi. Puis ils disent Non, mais tu n'as pas compris. Tout ça servait à annoncer Jésus-Christ. Maintenant, tu dois vivre par quoi? Pas par tes œuvres de la loi, non, par ta foi. Et là, là ça vient de briser tout un système de valeurs. Bang! Mais encore aujourd'hui, ça vient briser l'essence, la fibre même de notre nature humaine pécheresse. Lorsqu'on prie et que Dieu nous dit non, ou nous dit attends, on dit, hé, hey, hey, OK, attends. Si Dieu ne me donne pas ce que je veux, I'm gonna take it. Je vais y aller le chercher. Dieu ne veut pas me donner ça. ben tu sais -tu quoi? Je vais prendre les choses entre mes propres mains et je vais le faire. Puis là, on dit, oui, mais ça, c'est marché par les œuvres. Ben oui, c'est marché par les œuvres, mais c'est notre nature purement humaine et pécheresse qui dit, si Dieu n'est pas capable de me donner ce que je veux, ben je vais le faire moi-même. Mais l'affaire qu'on revient, c'est de dire, peut-être que Dieu, s'il n'est pas, pas capable, c'est qu'il ne veut pas te le donner. Puis, il y a peut-être une raison à ça. Peut-être parce que tu vas mal utiliser ce don. Ou peu importe, les raisons viennent à Dieu au final. Mais ça revient encore une fois que je suis pas justifié par ce que je fais, mais je suis justifié par en qui je place ma foi. Et il y a quelque chose d'intéressant. Marc 5. Pour ceux qui se rappellent, c'est un chef de synagogue, sa fille Jérus, sa, en fait Jérus, sa fille, elle est malade, elle est mourante, et il va aller voir Jésus. Et Jésus il est, il, il est confiant de lui-même. Il prend son temps, il va guérir une femme qui a une perte de sang. Et finalement, qu'est-ce qui arrive? Bien, les serviteurs de, de cet homme-là vont arriver vont dire Ce qui ne dérange plus le maître, ta fille est morte. Et Jésus va dire quelque chose d'incroyable, va dire quelque chose d'exceptionnel. Et cette parole-là qui a résonné il voilà y a 2000 ans résonne encore aujourd'hui dans nos cœurs. Il dit une chose Il dit Ne crains pas, non, crois, crois seulement. Crains pas, peu importe, la mort n'a pas d'emprise sur ce que Jésus fait, tes, tes problèmes, tes douleurs, tes, ça n'a pas d'emprise. Et Jésus ne minimise pas tes problèmes, minimise pas tes inquiétudes, mais il dit, ne crains pas, crois seulement. Pourquoi? Parce que je suis là, je suis avec toi. Jésus est là. Et Jésus était là, du de ans, avec cet homme, puis on sait la suite de l'histoire, il est allé, il a dit à tout le monde, ok, tout le monde sortait, tout le monde riait un peu de Jésus, C'est comme, euh, il ne sait pas qu'il est mort. Il a ressuscité cette jeune femme-là. Parce que la puissance de Dieu n'a pas de limite. La puissance de Dieu n'a pas de limite à cette époque-là et elle continue à ne pas avoir de limite aujourd'hui, dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie. La puissance de Jésus-Christ, elle est suffisante. Et encore une fois, je te défie ce matin, peu importe ce que tu vis, peu importe tes défis, crains pas. Fais juste, non, crains pas. Crois seulement. Place ta confiance et ta foi en Jésus-Christ, le Seigneur créateur de toutes choses. Crois seulement. Et ça me fait penser, je réfléchissais, je me disais OK, comment est-ce qu'on peut illustrer ça? Puis, en fait, c'est simple. Lorsque l'on va puis on prend l'avion, on a foi dans l'ingénieur qui a fait l'avion, on a foi dans le mécanicien qui a fait les révisions et on a foi que le pilote va nous apporter à destination. Moi, là, je ne me sentirais pas à l'aise de dire avant d'embarquer dans l'avion Hey, time out, il faut que je fasse ma vérification. Je veux voir le moteur, je veux voir le train d'atterrissage, puis hey, le pilote, montre-moi ta licence. Je veux être sûr que tu sais piloter un avion. On ne le ferait jamais, on ne ferait jamais ça. Parce qu'on a une confiance, on a une foi aveugle que l'avion va faire sa job. Mais pourquoi, lorsqu'on arrive avec Dieu, c'est différent? Parce qu'au final, Dieu, c'est la même chose. La foi, c'est juste de dire à Dieu, j'ai pas besoin d'inspecter tout ce que tu fais, j'ai pas besoin de remettre tout en question ce que tu fais, j'ai pas besoin d'aller toujours vérifier est-ce que c'est crédible, est-ce que c'est valable. Non, je, ma foi, c'est de dire, j'ai confiance que Dieu va m'emmener à destination. J'ai confiance que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, elle est suffisante pour me prendre où je suis, dans la boîte, dans mon péché, dans un monde euh, complètement corrompu et qui va m'emmener dans l'éternité. Il va m'amener à ses côtés dans le paradis, dans l'éternité. Et je crois que ce n'est pas par mes propres forces, parce que j'en serais incapable, mais je crois que c'est par la seule force de la grâce de Jésus-Christ, de la foi que je place dans l'œuvre qui accomplit à la croix. C'est la, la seule chose. Et, et comme je vous dis ce matin, je, je, vous, je vous défie, je vous mets au défi de dire, ne crains pas, crois seulement. C'est probablement la, plus, la, la chose la plus difficile que Jésus a demandé. Replacez-vous dans le contexte. On vient de dire, « Ta petite fille, elle est morte. » Hey, pour ceux qui sont parents, là, ça déchire cela. Là. Tu, tu, tu vas voir, c'est ton dernier espoir. Tu es un juif pratiquant, chef de synagogue. Tu connais les Écritures, puis tu t'en vas courir après un faiseur de miracles. Okay? Tu es tellement désespéré, c'est tellement ton dernier recours. Tu t'en vas voir un, un faiseur de miracles qui est Jésus. Puis Jésus prend tellement son temps que ta petite fille a mort. Mettez-vous dans le contexte. C'est quoi le sentiment? C'est pas juste un sentiment de tristesse. Là. Il y a un sentiment de colère qui a dû monter dans cet homme-là. Mais pourquoi tu t'es juste pas grouillé? c'est pourquoi tu t'es juste pas grouillé? La femme avec la perte de sang, là, ça fait dix ans qu'elle est de même. Va sauver ma fille, puis reviens pour elle. Puis c'est un sentiment qui est, qui est correct, hein, qui est noble, de dire ce qui compte, c'est la vie de mon enfant. Et tout le désespoir, toute la colère, tout le, le noir qui a dû arriver à ce moment-là pour cet homme-là. Puis tu as Jésus à côté, c'est téméraire là, de dire à un homme qui vient de perdre sa fille, Crains pas, crains pas, crois seulement. Donc, aujourd'hui, il y a peut-être des gens que vous vivez des situations qui sont comparables, ou du moins dans votre cœur, vous sentez dans votre désespoir, dans votre tristesse, dans votre colère envers Jésus, vous dites C'est pas juste ce qui m'arrive. Pourquoi tu ne te grouilles pas? Pourquoi tu ne t'es pas grouillé? Pourquoi tu n'as pas agi? Pourquoi tu n'as pas guéri? Pourquoi tu n'as pas, pourquoi tu n'as pas, pourquoi tu n'as pas, pourquoi tu n'as pas? 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 Mais Jésus il veut te dire une chose. Tu ne connais pas mes desseins. Crains juste pas. Crois seulement. Et peu importe. Hein? Ça, moi, je ne veux même pas me placer à la place de cet homme-là parce que ça me déchire le cœur. Mais il a quand même dit à cet homme-là, crains pas. Crois seulement. Alors ce matin, c'est pour ça que je te dis à toi. La foi, c'est un, de un des piliers essentiels de notre foi. Parce que sans la foi, il y aurait juste les œuvres. Puis juste les œuvres, je ne me sens pas assez fort pour avoir juste les œuvres. Face à ce que Jésus a fait à la croix, moi je ne me sens pas assez fort. Et un peu plus loin, mon dernier point ce matin, j'inviterai les musiciens à venir me rejoindre. On va sauter encore quelques versets au verset 23. Paul va soulever un point important. Il va parler des gens du monde, donc euh, ceux qui sont pas croyants, mais même ceux qui sont croyants. Moi, je l'applique même à ceux qui sont croyants. Il va dire :« Ce prétendant sage, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu impérissable en des images représentant l'être humain périssable, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. » Et la, la, le prochain verset. Et il va dire, trois, trois chapitres plus loin, il va dire, tous en effet ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu. Mon dernier point ce matin, c'est Solideo Gloria. Seule la gloire de Dieu. Et Paul va soulever deux points importants. Il va dire que par notre nature pécheresse humaine, on est naturellement séparé de la gloire de Dieu. C'est ce que j'imaginais tantôt avec... Pasteur Maxime et Marie. Et encore une fois, je crois que j'ai pas besoin de le prouver qu'on est séparé de la gloire de Dieu. On a juste à regarder dans le monde dans lequel on vit. On voit la corruption, on voit la guerre, on voit la famine, on voit la douleur. Et Genèse nous dira qu'on voit les douleurs de l'enfantement dans la création. Mais il y a un point important aussi que Paul soulève, un deuxième point. Il va dire qu'on a tendance à vouloir remplir ce manque, comme on est séparé. De la gloire de Dieu, pour nous c'est un manque. Adam était dans la plénitude de la gloire de Dieu, Adam et Ève. Et par leur chute, il y a eu cette déchirure. Cette déchirure-là est encore vive aujourd'hui dans nos cœurs, à vous et à moi. Et Paul va dire qu'on a troqué la gloire de Dieu par des idoles au final il dit par des images taillées. Solideo Gloria, ça veut simplement dire qu'on rend un culte à un seul vrai Dieu. On ne rend pas un culte à des hommes, on ne rend pas des cultes à des morts, ni à des objets, ni des symboles. C'est à Jésus-Christ seulement que nous rendons notre culte.